Good morning, allez, Iden, les sujets aujourd'hui, les Lunchmat, Richard Aaron, Ben Fortune Mazal, et Claude Itrak, Ben Fortune Mazal. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions dans Sechat Shkalim, Perikhat Mishnah. Hey, Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Mishum Rabbi Shimon Ben Asegan. Parochet Ovia Tefach. Val Shmoni Mushtaim Nimin Neereget. Val Kol Nima Venima Esrim Vearba Achutin. Orka. 40 ama, ורוחבה 20 ama, ומשמונים ושתי ריבו נעשית, ושתיים עושים בכל שנה, ושלוש מאות כהנים מטבילין אותה. On a évoqué dans la Mishnah précédente le rideau du Beit HaMikdash qui séparait le Kodesh HaKodeshim du Echal. On a dit qu'il était... C'était un rideau qui était somptueux. Et du coup, c'est pour ça qu'il fallait l'étendre quelque part, où c'était bien visible. Et du coup, la Mishnah m'enseigne. Maintenant, Rabban Shimon ben Gamliel va m'exposer un petit peu, comme me présenter cette parochette comme elle était belle. En disant comme ça, Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, Mishum Rabbi Shimon ben Asgan. Rabban Shimon ben Gamliel disait au nom de Rabbi Shimon, le fils du Zgan, le second du Kohen, l'adjoint. Parochette, Ovia Tefach, il me dit, tu sais, Ce rideau-là, son épaisseur, pas, ni sa longueur ni sa largeur, son épaisseur, elle était d'une épaisseur de 1 tefar. C'était un tissu super épais, qui faisait une épaisseur de 1 tefar, d'accord? 10 cm de large. Comme on va voir qu'il y avait énormément de fils dedans, la Mishnah commence à me le préciser. Et elle se faisait tisser sur un métier à tisser qui avait 72... Bague, je ne sais pas comment ça se dit, le salon messie à tisser, c'est en fait, comment ça se passe, c'est les fils de tram et de chaîne, d'accord? Si je ne me trompe pas, la chaîne c'est la longue, et tram c'est celui qui le relie, d'accord? Ch'ti va arriver en hébreu, ch'ti c'est le long, et le tissu c'est celui qui va maintenant. Lorsqu'on tisse, en théorie, il faudrait faire passer le fil après tout le fil. On a des moyens beaucoup plus perfectionnés pour le faire, c'était en fait de faire passer les fils dans des bagues, un fil sur deux, sur des bagues qui vont monter vers le haut, vers le bas, et puis comme ça, ils se reliaient, et comme ça, chaque fois que ça se relie, on fait passer le palair, je connais pas les termes en français, on fait passer une fois, donc ça va devenir lui-même le fil de tram, logiquement, parce que la chaîne, c'est celui qui fait le long, donc on passe une fois, après hop, on refait passer de l'autre côté, on refait passer les fils, et comme ça, ainsi de suite, on finit de le tisser. Rabban Shimon ben Gamliel, pour me montrer la somptuosité, ou bien la complexité, plutôt, de cette parochette, ils me disent qu'il y avait 72 bagues. Je n'ai aucune idée de l'ampleur que ça veut dire, d'accord? Ni non plus qu'est-ce que ça exprime concrètement, hein, ça veut dire quoi? Qu'elle était très large, elle était faite dans ce gros morceau, apparemment. En tout cas, ve'alkol nima venima, et sache que dans chacune de bagues, tu sais combien il y avait de fils qui passaient dans chaque bague? Tu crois que tu fais passer un fil et que ça se lève? Non, t'as pas compris. Kol nima venima, esrim varba achutin, il y avait 24 fils dans chaque bague, 24 fils. Vous faites ça fois 72. Et vous allez obtenir maintenant le nombre de fils qu'il y avait dans la, on a dit, bon, trame ou chaîne, ce que vous voulez, c'est la même chose. Cette fois-ci, c'est la même chose dans les deux sens. Je sais pas. En tout cas, dans la chaîne au moins. Et non, je ne sais pas si le fil de trame il était de même qualité. Ce que je sais pas, c'était fréquent à l'époque, ils utilisaient des fois des fils comme si d'une certaine espèce pour faire la chaîne, et les fils de trame pour faire une autre espèce. Il y a une logique, mais on ne va pas trop ranger dessus. Et concrètement, la Mishnah me dit, alcool nima venima, esrim verba achutin, dans chaque bague, il y avait 24 fils qui passaient à l'intérieur. Pourquoi 24 fils? Parce qu'il y avait 4 espèces que chacune devait être fois 6. Il nous précise, trelet, argaman, tolachani, veshesh. Trelet, c'est le azur, argaman, c'est le pourpre, tolachani, je ne sais pas comment ça se traduit, veshesh, c'est le coton blanc. Il y avait 4 sortes de fils. Et chacun, c'est déduit dans le Maseret Yoma, dans les dapis en ce moment du Dafayomi, Inalef, je crois, une bête, qui déduit qu'il y avait 6 fils de chaque espèce. Donc ça nous fait 6 fois 4. Ils étaient tous tissés ensemble. Ça faisait un fil qui était un peu multicolore. Et on les faisait passer, donc là, c'est en fait, ça devenait presque des cordes, tellement qu'il y avait des fils. Et donc la Mishnah continue en me disant, Val kol nima venima esrim varba achutin, et sur chaque nima venima, donc chaque bague, il y avait 24 fils. Et la Mishnah me précise, Orka Arbaim Ama, sa longueur, elle était de 24 amas. Verorba Esrim Ama, plutôt Orka, sa hauteur, plutôt.
elle était de 40 amas, donc ça vous fait l'équivalent de 20 mètres. Et Rorba et Srimama, et sa largeur, elle était de 20 amas, donc 10 mètres plus ou moins. 20 mètres sur 10 mètres, sur une épaisseur qui était, vous imaginez le poids et l'allure de ce rideau. Ushmonim, Ushtei, Ribona, c'est alors là c'est une phrase compliquée à expliquer. Il y a le Vartanoua, il propose trois pirouchim. Littéralement, je ne sais même pas comment ça se traduit littéralement, Shmonim, Ushtei, c'est 82, Ribo. Alors Ribo, ça peut être des myriades, des 10 000. Donc en fait, c'est-à-dire que ça fera l'équivalent de 820 000. Quoi? On n'en sait rien. Elle était faite avec 820 000. 820 000 quoi? Alors une première explication qui va me dire 820 000 fils. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est quoi un fil? C'est un fil de combien de mètres? Mais en tout cas, il me dit, première interprétation. Deuxième interprétation, c'est en fait sa valeur. Que je ne savais pas quoi, mais ça coûtait 820 000 quoi? Patate? Shekel? Dollar? Je ne sais pas. Autre interprétation, qu'en fait, il ne faut pas dire rivo, mais dire rivote, c'était des jeunes filles. Betulot, qui n'avaient pas encore eu de cycle, donc qui n'avaient pas de risque de véhicule et d'impureté, il fallait utiliser 82 jeunes filles pour tisser cette, c'était toute une expédition quoi, pour pouvoir tisser cette parochette, ou shtaim osin bechol shana, et on en faisait deux à chaque année, on en faisait deux, pourquoi deux, c'est pas qu'on, tous les 6 mois, non, en réalité, c'est lié à ce qu'on avait, ce qu'on étudiera plutôt plus longuement dans Yuma, qui avait deux parochettes. Une dans un sens et une dans l'autre. On apprendra longuement quand le Kohen Gadol, Yom Kippour, il passe entre les deux pour pouvoir rentrer. Et donc il y en avait deux, une externe, une interne, et tous les ans on faisait une nouvelle. D'accord? Alors la Mishnah prend une phrase un petit peu excessive comme ça, que pour me dire qu'il y avait, sache qu'il y avait 300 Kohanim qu'il. Il fallait 300 Kohanim pour aller la tromper, c'est-à-dire quand elle était véhiculée d'impureté. Comme le cas de la Mishnah précédente, j'avais dit, tu sais combien on appelait de Kohanim pour pouvoir la porter, la transporter et la manipuler. 300 Kohanim qui mettaient la main à la pâte. Le Bartanoir nous rapporte que la Gemara nous dit qu'en réalité, c'est pas vrai. C'est une manière de dire, ah, il y avait une tonne. Une tonne, ça veut dire quoi? 1000? Non, du tout, c'est une manière de s'exprimer. Et donc, du coup, 300, c'est fréquent dans la Mishnah, dans la Gemara. C'est la manière de dire, il y avait 100 000. Ou je sais pas, une. Trouve un terme qu'on utilise pour dire qu'il y avait une donne, plein. Et ils utilisent le terme de 300, mais en réalité, il n'y avait pas 300, il fallait plusieurs colonies pour la transporter, elle était peut-être très lourde, et pour la manipuler, mais voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.